J'ai écouté un jour dans une chanson un musicien qui disait si tu ne fais pas, si tu ne rencontres pas le diable sur ta route, ça veut dire que tu fais route avec lui. J'aimerais vous les présenter de manière beaucoup plus directe encore. Je suis en train de parler du couple Alain Patrick et Linda Gandimoun qui sont avec moi sur l'estrade. Je voudrais juste qu'on les acclame pour leur souhaiter chaleureusement la bienvenue. Ils sont chez eux ici au Cameroun. Sport tout à l'heure. Merci d'avoir été très sport tout à l'heure par rapport à ces autres troubles que j'évoquais tout à l'heure. Nous allons une fois de plus. Ça peut être que nous avons des problèmes, nous rencontrons des situations compliquées, difficiles, et quelqu'un nous parle du Seigneur, et à ce moment-là, notre cœur est touché, nous venons au Seigneur. Mais seulement, savons-nous exactement où se dirige le bateau dans lequel nous sommes embarqués, dont Jésus-Christ est lui-même le pilote? Est-ce que nous le savons réellement? Beaucoup d'entre nous pouvons répondre tout simplement, puisque c'est Jésus-même qui est le pilote de ce bateau, nous lui faisons entièrement confiance. Par la foi, nous savons que la destination vers laquelle il nous amène ne peut qu'être la bonne. Ça, c'est par la foi. C'est vrai aussi, c'est possible. C'est possible de répondre comme ça, et c'est une bonne réponse d'ailleurs. Mais seulement Jésus, dans sa grande miséricorde, dans son grand amour, regarde à ses créatures, regarde à ses enfants. Et il nous dit dans sa parole, dans Jean 15:15, il nous dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé mes amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance en ce qui concerne la direction vers laquelle il nous amène. Amen. C'est pour ça que dans sa parole, il nous donne des indications très précises de la direction dans laquelle nous allons. Et il importe à chaque être humain, au-delà même des chrétiens, de savoir exactement dans quelle direction nous allons. Parce que Jésus est le seul Dieu, il est la seule porte par laquelle nous pouvons entrer. Amen. Donc, lorsque nous venons au Seigneur, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous sommes venus au Seigneur, le Seigneur nous donne ce verset dans Matthieu 6:33. Il nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Donc, la priorité, ce pourquoi vous fréquentez les assemblées chrétiennes, ce pourquoi vous priez tous les matins, tous les soirs, etc., c'est la recherche du royaume des cieux. Ce n'est pas la recherche de la délivrance, de la bénédiction, et que sais-je encore, c'est d'abord prioritairement la recherche du royaume des cieux. Si on ne l'a pas compris dès le moment de notre conversion, nous sommes déjà à côté de la plaque. Nous avons mal commencé. Je l'expliquais encore dans un groupe, dans la cellule, à la cellule de prière de Bonabéry. C'est un peu comme lorsque vous allez acheter une denrée au marché et la dame, après vous avoir servi la quantité que vous avez demandé, vous dites, madame, est-ce que vous pouvez me rajouter le cadeau? Hein? C'est exactement toutes les bénédictions matérielles, terrestres que nous avons sur la terre. C'est juste le cadeau qui est rajouté par-dessus. Mais le véritable, ce que le Seigneur nous donne véritablement, c'est le royaume des cieux. Et ça, il faut le savoir. Il faut être sur le chemin du royaume des cieux. Et toutes les autres bénédictions viendront se rajouter naturellement. Lorsque je recherche le royaume des cieux, les bénédictions me suivent également. Amen. Parce que pour trouver le royaume des cieux, il faut être justement dans la bonne disposition pour suivre le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Amen. Voilà. Et le programme maintenant, une fois qu'on est converti au Seigneur Jésus, le Seigneur nous donne des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes,
des pasteurs pour le perfectionnement des saints, comme nous dit Éphésiens. Je ne vais pas lire tous les versets hein, pour gagner du temps, mais je les affiche. Vous pouvez suivre en même temps que moi. Donc, le Seigneur nous donne tous ces ministères-là pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour nous apprendre à grandir dans la connaissance de Jésus, pour marcher sur les pas du Seigneur en vue justement d'hériter le royaume des cieux. C'est ça le programme chrétien. Lorsqu'on se convertit, toute la marche chrétienne consiste justement à grandir dans ce qu'on appelle la sanctification, on le verra plus tard, à grandir, je vais le dire plus simplement, dans les voies du Seigneur afin d'hériter le royaume des cieux. C'est pour ça que tous les ministères sont donnés, pour nous perfectionner. Le but du ministère, de tous ces ministères, c'est de vous faire découvrir votre propre don que le Seigneur a mis en vous, de le développer afin que vous puissiez marcher dans le plan que le Seigneur a prévu pour vous. C'est très très important ce que je suis en train de dire. Parce que si on se loupe, on peut faire toute une vie chrétienne à côté de la plaque parce qu'on n'a pas compris. On va passer le temps à chercher des bénédictions, des délivrances en délivrance, etc. On est complètement à côté de la plaque. Si on meurt ayant obtenu toutes nos délivrances, on peut descendre. On peut descendre. Amen. Donc il faut avoir bien compris dès la conversion le plan du Seigneur pour notre vie. Et c'est ce plan que je suis en train de donner. Et plus nous grandissons donc dans les voies du Seigneur, le Seigneur nous fait une promesse. Il nous dit, pendant que vous serez en train de vous perfectionner, je reviendrai vous prendre. Amen. Et ça, c'est la plus glorieuse promesse que nous avons dans la parole de Dieu. C'est que le Seigneur reviendra effectivement nous prendre. Donc, ce soir, nous allons parler en détail du retour du Seigneur Jésus. Ma prière intérieure, c'est que chacun puisse rentrer vraiment avec cette conviction dans ses entrailles que le Seigneur revient bientôt et qu'il faut se préparer. C'est ça qui est très important ce soir. Amen. Donc, le titre, on va dire, de tout le séminaire, c'est l'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pendant toute la durée du séminaire, nous allons beaucoup méditer et nous allons prendre beaucoup de passages dans le livre de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible. Pour beaucoup de personnes, bon, malheureusement, l'image n'apparaît pas très bien. Pour beaucoup de personnes, et même pour l'Église, le livre de l'Apocalypse se présente comme ça, sous des nuages complètement sombres. Beaucoup de personnes ont une idée fausse du livre de l'Apocalypse, une idée noire. On voit le livre de l'Apocalypse comme étant un livre de jugement de Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur. Et principalement pour les personnes d'expression française. Parce que déjà, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Dans la traduction déjà simplement de ce mot-là, en français, il y a déjà un problème. Le mot Apocalypse vient de Apocalypsis. Le mot en grec, c'est Apocalypsis et ça veut dire dévoilement. Révélation. En anglais, c'est mieux traduit, c'est révélation. Apocalypse, ça fait peur aux gens. Ça fait peur. Les gens n'ont pas envie de lire ce livre-là. Pourtant, le livre de l'Apocalypse est de loin le livre le plus important de la Bible. C'est le seul livre qui nous parle des résurrections. C'est le seul livre qui nous montre ce qui se passe dans le ciel. Si vous méditez correctement le livre de l'Apocalypse, vous êtes capable de dire à des personnes, par exemple, qui adorent Marie, qui prient les saints, que cela ne se fait pas. Pourquoi? Parce que dans le livre de l'Apocalypse, on voit dans le ciel, un seul est adoré. L'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Judas, le fidèle témoin, le seul. Avec ce livre-là, vous pouvez démontrer aux gens qu'il est impossible de prier quelqu'un d'autre que Jésus. Amen. Amen. Je vais vous donner encore un petit peu plus de goût à ce livre-là. Heureux, ça c'est dans Apocalypse 1 au verset 3. Heureux celui qui lit
Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est le seul livre de la Bible auquel il est attaché une bénédiction particulière, juste le fait de lire et de garder les paroles. C'est le seul livre de la Bible. Vous écoutez quelqu'un qui prêche sur l'Apocalypse, vous êtes déjà béni. Juste le fait d'écouter et de garder ça dans votre cœur, vous êtes déjà béni. Amen. Et c'est ça que le diable ne veut pas que nous sachions. C'est pour ça que derrière le livre de l'Apocalypse, on a mis beaucoup, enfin, en tout cas, on a traduit malheureusement ce livre en termes de jugement. Et les hommes n'aiment pas ce livre. Je vais vous donner un autre verset, toujours pareil, dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 22 au verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est Jésus même qui parle. Pour encourager les gens à méditer et à lire dans ce livre, le livre de l'Apocalypse. Je vais vous dire autre chose qui risque de vous surprendre un peu. C'est que l'auteur du livre de l'Apocalypse, vous savez qui c'est? C'est l'apôtre Jean qui l'a écrit. Mais le véritable auteur du livre de l'Apocalypse, c'est Jésus lui-même. Amen. C'est Jésus même qui a écrit, qui a directement inspiré le livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de l'Apocalypse, il a mis sa propre signature. Je vous donne le verset. Amen. Apocalypse 22 au verset 16. Moi, Jésus, c'est la signature du livre de l'Apocalypse. L'auteur lui-même signe. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est la signature même de Jésus. Le livre de l'Apocalypse est directement écrit par Jésus. Jean a juste été un intermédiaire pour le mettre sur papier, c'est tout. C'est pour ça que le diable ne veut pas que les chrétiens méditent et comprennent le livre de l'Apocalypse. Parce que si vous comprenez ce livre-là, ça va vraiment vous recentrer sur l'essentiel dans votre vie chrétienne. Et ça, il ne veut pas. Amen. Alors, nous avançons. Donc, le but, c'est que justement, à la fin de la conférence, que vous puissiez avoir un autre regard sur le livre de l'Apocalypse, un regard beaucoup plus éclairé. Ça, c'est une image de l'île de Patmos aujourd'hui. C'est l'île sur laquelle Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse. Il faut que ce livre-là s'éclaire désormais pour vous, comme ce que nous avons en image de fond. Amen. Alors, nous allons avancer. Dans cette première partie, nous allons voir dans la Bible les promesses formelles que le Seigneur a données pour que nous ayons la conviction dans notre cœur qu'il va vraiment revenir. Il a donné des passages clairs dans lesquels il annonce qu'il reviendra. Amen. Il est bon de noter et de méditer sur ces passages-là. Vous savez que la parole de Dieu dans Romains 10, 17 dit: la foi vient de ce que on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il est bon de retenir ces versets. Si vous voulez commencer réellement à respirer et à vivre dans l'attente du retour de Jésus, il faut méditer sur les versets de la promesse de son retour, déjà dans un premier temps, pour en avoir la conviction que le Seigneur revient vraiment bientôt. Amen. Alors, premier verset, c'est dans Jean 14, du verset 2 au verset 3. Il y a plusieurs demeures, c'est Jésus même qui parle, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai. C'est Jésus même qui parle. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il y a un terme qui attire mon attention. C'est dans le verset 2, le mot demeure. Il dit, il y a plusieurs demeures. Dans le sens de ça,
C'est ce que je dis encore aux jeunes à la cellule de prière à Péry. Il faut être sûr. Si on te demande, toi, est-ce que tu es né de nouveau? Il faut que tu dises, oui, je suis né de nouveau à tel moment et que tu aies un témoignage à donner. C'est dans telle circonstance que j'ai rencontré le Seigneur. Il faut être sûr de ça. Si on commence à hésiter, je ne sais pas ce qu'on n'est pas né de nouveau. Amen. Il faut être sûr que c'est fait. Et à ce moment-là, on peut recevoir ce type de message. Donc, lorsqu'on confesse nos péchés, le Seigneur nous les pardonne. Et la Bible dit que le Seigneur pardonne et il oublie. Contrairement aux hommes, les hommes disent « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Mais la Bible dit que le Seigneur pardonne et il oublie. Non seulement il efface tous nos péchés depuis que nous sommes nés, depuis tout petit, il efface tout. Mais la Bible dit aussi qu'il nous justifie. C'est-à-dire qu'il nous donne une robe totalement blanche. On devient comme si on n'avait jamais péché. Jamais péché. En sorte que lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde plus comme les hommes nous regardent. Tous les hommes, on n'a pas changé, on est toujours le même. Mais quand Dieu nous voit, il ne voit plus le pauvre pécheur qu'on était, mais il voit son fils Jésus. Pourquoi? Je vais vous montrer une image. Avec les images, les gens retiennent bien. Suivez-moi un peu. Amen. Lorsque on passe par une sincère repentance, quand Jésus nous justifie, voici ce qui se passe. Il nous prend. Nous, pécheurs. Amen. Pécheurs. Jésus. Il nous met... en Jésus. Amen. Il nous met en Jésus. En sorte que quand le Père regarde, où est le stylo? Le stylo n'est pas là. C'est Jésus qu'il voit. Les hommes continuent à vous voir, pauvres pécheurs, mais Dieu, quand il voit ça. Parce que vous êtes en Jésus. Il ne vous voit plus comme un pécheur. Et c'est pour ça que vous pouvez hériter le royaume des cieux. Parce que rien de souillé ne peut entrer dans le royaume des cieux. Parce que vous êtes dans Jésus et c'est Jésus qui vous amène. Parce que lui, il est saint totalement. C'est lui qui vous amène dans le royaume des cieux. C'est pour ça que et aucune religion, aucune dénomination ne peut vous mettre à l'intérieur comme ça et vous amener. Parce que les dénominations ne sont pas saintes. Et il dit que rien de souillé n'entre dans son ciel de gloire. Amen. C'est pour ça qu'il faut expérimenter la conversion, non pas à une église, mais à Jésus directement. Parce que lui seul est saint. Lui seul est capable de faire ce que je viens de vous montrer. Retenez bien l'image. Amen. Alors, verset 2. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq autres sages. On revient encore dans les chiffres, comme avec Noé. Là, les vierges... C'est parce que Jésus leur a donné un habit blanc. C'est pour ça qu'elles sont vierges. Quand on se convertit, Jésus nous donne un habit blanc. Et il veut que lorsque nous y reviendra, que notre habit soit toujours blanc. C'est pour ça que lorsque nous sommes encore inconvertis, le péché est une habitude. On vit continuellement à pécher, à mentir, à forniquer, adultère et ainsi de suite, vol et que sais-je encore. Mais lorsqu'on se convertit, le péché devient un accident. Un chrétien qui conçoit le péché jusqu'à aller le produire, il y a un problème avec sa nouvelle naissance. Il faut qu'il revienne à la base. Parce que le Saint-Esprit qui vient habiter en nous haït tellement le péché qu'il ne peut pas laisser le chrétien le faire volontairement. Et ne dites pas, Dieu comprendra. C'est faux. Si vous êtes dans une situation compliquée, amenez le problème devant le Seigneur et il vous donnera la solution. N'essayez pas de faire vous-même votre plan B et dire, le Seigneur comprendra. De toute façon, je suis son enfant. Ça ne marche pas. Dans le livre d'Hébreux, il dit, si on pêche ayant reçu la vérité, il n'y a plus de sang pour pardonner le péché. Ça, il faut le savoir aussi. Amen. Alors, donc, je reviens sur les chiffres. Cinq d'entre elles étaient folles et d'autres sages. L'église est divisée en deux. Là, on est dans l'église. Parmi les vierges, il y en a qui sont sages et d'autres qui ne sont pas sages.
plus loin, on lit que les sages seront enlevés et les vierges vont rester. Donc, dans l'église, on peut même dire qu'il y a près de la moitié qui ne sont pas prêts, qui ne partiront pas dans l'église de Jésus. C'est ce que ce verset dit. C'est ce qu'il prédit et c'est une prophétie aussi. Amen. Alors, voilà. Verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec elle. Ensuite, il nous dit, mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Je vais beaucoup insister sur ce message parce que je pense que je prêche à l'église. Ça concerne l'église. Mais les sages prient avec elle leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait, toute s'assoupir. Dans l'église, toute s'endort. Au milieu de la nuit, on cria, voilà l'époux, allez à sa rencontre. C'est un message soudain, encore. Alors, c'est quoi l'huile? C'est quoi l'huile? C'est quoi l'huile? On parle à l'église. C'est quoi l'huile? Le frère dit, c'est le Saint-Esprit. Ça peut être considéré ça. Comprenez bien ce que je vais dire. Faire de l'huile dans sa lampe, c'est mon expérience personnelle, ma communion personnelle avec Jésus. C'est ça de l'huile. Mes expériences personnelles, le Seigneur me passe au travers des difficultés, au travers des épreuves, pour forger mon caractère chrétien et je laisse le Seigneur agir comme ça profondément dans ma vie. Et le fait, vous savez ce que ça signifie Gethsémané? C'est pressoir d'olive. Le Seigneur nous presse au travers des épreuves, non pas pour nous faire mal, mais parce qu'on doit passer par le brisement pour être quelque chose, pour éprouver notre foi, pour avoir une foi authentique et réelle, une vraie foi qui sauve, une foi qui n'est pas intéressée par ce que le Seigneur donne, mais pour ce qu'il est. Amen. Donc, cette huile-là, c'est mon expérience-là que le Seigneur fait au travers de mes épreuves. Voilà pourquoi plus loin, la Bible, les versets qui viennent après, on va passer rapidement parce qu'on va perdre du temps à les lire. La Bible dit que les folles ont demandé aux sages, donnez-nous votre huile pour que nous puissions allumer nos lampes et aller à la rencontre. Les sages ont dit non. C'est pas parce que les sages étaient mauvaises et ne voulaient pas donner, mais c'est parce qu'elles ne pouvaient pas. Pourquoi elles ne pouvaient pas? Ma communion personnelle avec Jésus, quand nous sommes deux, quand il me passe au travers de l'épreuve, mon expérience personnelle, je ne peux pas te la donner. Il faut que tu acceptes aussi de passer par l'épreuve pour faire de l'huile dans ta lampe. Je ne peux pas te donner mon expérience. Même à ma femme, je ne peux pas lui donner mon expérience spirituelle. Ma communion personnelle avec Jésus, même si on prie ensemble, de temps en temps, je me mets de côté pour avoir une communion directe, personnelle avec le Seigneur. Et ça, tu ne peux pas donner ça à quelqu'un. Même si tu es gentil, comment? Même si tu es le meilleur de tous les hommes, tu ne peux pas donner cette communion-là, personnelle avec Jésus, à quelqu'un. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que les sages ont refusé. En fait, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas. Les sages ne pouvaient pas donner leur expérience personnelle. C'est pour ça qu'il faudrait que chacun ait une communion personnelle directe avec le Seigneur. Nous venons en assemblée, nous chantons ensemble, nous prions ensemble, nous faisons les veillées de prière ensemble, mais il faut que tu aies ta connexion personnelle avec Jésus. Parce que c'est au travers de la connexion personnelle là que Jésus va te dire, attention, je suis en train d'arriver. Si ta connexion est coupée et que tu comptes sur celle de mon frère Christian là-bas, tu vas rester. Parce que lui, il ne peut pas te donner son huile. Il faut que tu aies ta propre huile, ta propre expérience avec le Seigneur. Amen. Alors, voilà. Donc, les vierges viennent, les vierges sages entrent dans la salle des noces, c'est l'enlèvement.
Les folles vont chercher de l'huile, donc avoir une petite expérience. Celui qui veut se préparer à la dernière minute, qui vient au veiller de prière, mais c'est trop tard maintenant. Le Seigneur est déjà là, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut préparer, pas plus tard. Et qu'est-ce qui se passe au verset 11? Plus tard, les autres vierges, c'est-à-dire les folles qui ne sont pas rentrées, vint et dit, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité. » En général, quand Jésus utilise cette expression « en vérité », ça veut dire « Amen » en grec, qu'il en soit ainsi. C'est une vérité immuable qu'on ne peut pas changer. Il dit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Cette expression « je ne vous connais pas » dans l'expression, dans le terme, dans l'expression d'origine en grec, ça veut dire « nous n'avons pas d'intimité ensemble ». C'est comme l'intimité dans le couple. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'une relation personnelle directe avec le Seigneur, sans intermédiaire. C'est ce que Jésus leur dit. Il vous dit « nous n'avons pas de relation intime ensemble ». Tu es dans l'assemblée des enfants de Dieu, tu te fonds au milieu, mais toi et moi personnellement, on ne se connaît pas. C'est ça que Jésus dit. Parce que les vierges, je vous le rappelle encore, c'est l'Église tout entière. Tu es au milieu des vierges, tu as même expérimenté la nouvelle naissance. Mais seulement, nous n'avons pas de relation personnelle ensemble. Nous n'avons pas de contact, nous n'avons pas d'intimité ensemble. C'est ce que Jésus dit à ceux de l'Église qui resteront. Amen. Il faut qu'on ait bien compris ce que ça signifie. Alléluia. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour, c'est maintenant le moment de faire l'huile dans sa lampe. C'est pas plus tard. Alors, la caractéristique suivante, c'est que le message du retour de Jésus s'adresse aux hommes de manière individuelle. Ça poursuit un peu l'idée que j'ai commencé tout de suite. Alors, je vais lire directement dans Matthieu 24. « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra. » On a deux personnes, deux chrétiens ou un chrétien, un païen. Il y a l'un qui est pris et l'autre laissé. C'est pas parce que je dors sur le même lit que ma femme qu'on sera pris tous les deux, même si je suis prêt. Je vais vous dire un songe que ma femme a eu il y a quelques mois. Elle a rêvé qu'il y avait un appareil où les gens venaient se placer et levaient la main comme ça, et l'appareil virait dans une couleur pour dire s'ils étaient prêts pour le retour de Jésus ou non. Nous étions dans la file aussi, nous sommes venus, nous avons levé la main, hop, ça a viré à la bonne couleur, on était prêts. On est rentré, content, on revient le lendemain, bip, bip, pas prêt. Ça veut dire que être prêt, c'est une question d'instant. Il faut être prêt au moment pile où la trompette sonne. C'est un train qui passe à la gare à une heure précise, à une seconde précise et qui passe une seule fois. Une seconde avant, je suis connecté au Seigneur, je suis prêt. La seconde après, quelqu'un vient, je l'engueule, je n'ai pas encore confessé ce péché, donc je ne suis pas prêt. Le Seigneur vient, je reste, je me confesse après, c'est trop tard. C'est ça. C'est pour ça que le chrétien doit vivre dans une vie permanente de sanctification. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit témoigne, me montre que... C'est pour ça qu'il nous dit, le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est pour ça, dès que je commets un péché, n'attends pas demain. Immédiatement, la seconde après, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Le sang de Jésus me purifie et je reviens dans la communion avec le Seigneur. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, n'allez pas pécher pour dire que le sang de Jésus va nous pardonner. Si je pêche volontairement, il n'est point de sang pour le pardon des péchés. Donc, alors,
17, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux hommes qui seront dans un lit, de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Bon, ça, on revoit toujours cette notion du fait que le message est individuel. C'est pas parce que mon voisin est prêt que je suis prêt. Mais il y a autre chose aussi là-dedans. C'est que, pour moi, les personnes qui sont couchées la nuit, là, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un lit, c'est la nuit, on le voit bien. Et probablement, les deux femmes qui sont en train de moudre à la machine, c'est probablement le jour. Et même les autres qu'on a cités. Ça nous montre que c'est un événement qui arrivera la nuit pour les uns et le jour pour les autres. Là-dedans, il y a la révélation des fuseaux horaires. Les hommes ont découvert les fuseaux horaires en 1876, mais la Bible en parlait déjà 2000 ans avant. Il faut le voir ça aussi. Amen. Alors, dernière caractéristique, ceux qui prêchent le message de Jésus, si vous avez l'intention de prêcher ce message, pour que vous ne soyez pas surpris, sachez qu'on va se moquer de vous et que les gens vont rejeter ce message. Quand j'ai écrit cette brochure, je l'ai envoyée à mon pasteur, et j'en avais envoyé plusieurs à mon ancien pasteur. Je lui ai dit, tu distribues aux frères de l'église, il a refusé. Il m'a dit que je ne conçois pas ton message, il n'est pas bon, il est faux. Et j'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que ça me confirme justement ça. C'est un message qui sera rejeté et qui suscitera de la moquerie. Et la Bible nous en parle. Je ne dis rien sans vous donner des versets bibliques à l'appui. Amen. Alors, c'est Pierre qui nous parle. 2 Pierre 3, 2, 3, 10. Enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est la vérité, mais ils veulent l'ignorer. Ils savent que le Seigneur Jésus va revenir, mais ils préfèrent faire comme s'il ne revient pas. Ils veulent ignorer. Donc, ils sont conscients de la vérité, mais ils la couvrent. Alors, ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses du monde, alors périt dans la terre submergée, la terre d'avant, et a été submergé d'eau. Bon, ensuite, verset 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement et de la ruine des hommes impies. Bon, je vais faire juste une petite parenthèse là pour expliquer quelque chose. Il y a beaucoup de personnes, même des chrétiens, qui confondent le retour de Jésus avec la fin du monde. Ce n'est pas la même chose. Attention. La fin du monde arrivera lorsque la terre et les cieux d'à présent seront détruits par le feu. Ça, c'est la fin du monde. Mais lorsque Jésus va revenir, le monde va continuer à exister. Les chrétiens seront enlevés et le monde restera et continuera à exister. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus va revenir, il va instaurer sur la terre un règne de paix de 1000 ans. Si vous avez entendu parler du millénium, le millénium va se passer sur la terre. Jésus va régner depuis Jérusalem pendant 1000 ans. Et c'est au bout seulement de ces 1000 ans-là que la terre d'à présent sera détruite. Donc, à partir du moment où Jésus revient jusqu'à ce que les gens appellent la fin du monde, il y a au moins 1000 ans. Donc, la fin du monde, ce n'est pas pour demain. Les gens qui ont dit que la fin du monde arrivera en 2012, c'est impossible, d'après la Bible. Parce que entre le moment où Jésus revient et la destruction de la terre, il y a au moins 1000 ans. Donc, ce n'est pas possible que la fin du monde intervienne dans moins de 1000 ans, puisque Jésus n'est d'ailleurs pas encore revenu. Amen. Donc, c'est juste pour que vous arriviez
à faire la dissociation entre retour de Jésus et fin du monde. Ce n'est pas la même chose du tout. Il faut pouvoir expliquer ça aux païens. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas un message de fin du monde que nous sommes en train de prêcher. Alors, voilà le verset important qui parle de la moquerie. On a dit qu'ils veulent ignorer. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour. Comme quelques-uns le croient, mais voilà, il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc si le Seigneur tarde à revenir, c'est pour que le maximum de personnes soient sauvées, pour que le maximum de personnes entendent ce message et arrivent à la repentance. C'est pour ça que le Seigneur tarde encore. Mais lorsque le dernier païen sera entré, la patience du Seigneur s'arrêtera net. Et comme nous ne savons pas qui sera le dernier des païens, il vaut mieux être prêt. Il vaut mieux déjà être repenti. Il vaut mieux déjà être au milieu des enfants de Dieu. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, ne prenez pas comme une faiblesse de la part du Seigneur le fait qu'il ne soit pas encore rentré. C'est parce qu'il veut que vous et moi soyons sauvés. C'est pour ça qu'il n'est pas encore arrivé. Mais sa patience a une fin. Alors, rapidement, je vous explique le déroulement même concrètement de l'enlèvement de l'église. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Pour beaucoup, c'est un flou. Pourtant, c'est l'expérience même. Tite au verset 13 nous dit la bienheureuse espérance des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent savoir dans les détails comment l'enlèvement va se passer, pour que ça booste votre foi. Et le Seigneur a expliqué en détail. Amen. Bon, l'image est un peu révélatrice de ce qui se passera. Bon, c'est juste pour... Alors, je vous en supplie, encadrez ce verset dans votre Bible. Le verset qui parle, le passage qui parle de l'enlèvement de l'Église, il faut que ça soit encadré dans votre Bible. Si vous enlevez ce passage-là et celui qu'on lira après dans votre Bible, votre espérance devient presque vaine. Et ce passage-là, beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Alors, je vais le lire. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà. Donc, c'est ça l'objet de ma présence devant vous. C'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé devant vous. Pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Parce qu'on peut être dans l'église. Il s'adresse aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens étaient des chrétiens. Ils étaient convertis. Il leur dit, je ne veux pas que vous ignorez ça. Parce que c'est une vérité capitale. C'est salutaire pour vous. Il ne faudrait pas que vous ignorez ça. Nous ne voulons pas, frères, en plus il dit frère, donc il s'adresse vraiment aux chrétiens, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. J'aime bien cette expression-là, de ceux qui dorment. C'est-à-dire, puisqu'il parle aux frères, il utilise l'expression ceux qui dorment. Il parle des chrétiens qui sont déjà morts. Si tu es chrétien et que tu meurs, en fait tu es endormi. Il ne faut pas avoir peur de la mort en tant que chrétien. Le chrétien n'a pas peur de la mort. Parce qu'il est seulement en... dormi. Et le propre de celui qui est endormi, c'est qu'il peut se réveiller d'une minute à l'autre. Pourtant, celui qui est mort, s'il utilise l'expression mort, ça veut dire qu'il ne va plus se relever. Amen. Ça, c'est très important. Alors, afin que vous ne vous affligiez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ceux qui croient à la résurrection de Jésus, levez la main. Presque tout le monde. Donc vous croyez à l'enlèvement de l'église. Donc on ne prêche pas des choses qui ne sont pas justes. Car, verset 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, donc le fait d'appartenir à Jésus, c'est ça qui fait en sorte qu'on est ramené à la vie après.
Amen. Donc, ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc, il parle des chrétiens qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Là, c'est solennel. Paul dit, bon, avant, je vous ai parlé comme parlant de moi-même. Maintenant, je vous dis ce que j'ai reçu directement du Seigneur. Donc, c'est très important. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie vivant. Et il y a deux vérités dans ce mot-là. Nous, les vivants, ça signifie d'abord ceux qui respirent encore. Ceux qui ont encore le cœur qui bat, le cerveau qui fonctionne. C'est d'abord ça, les vivants. Mais il y a une deuxième vérité dans le même mot. C'est ceux qui sont vivants en Christ, spirituellement vivants, comme la sœur a dit. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont réconciliés avec Jésus qui sont vivants. Vous pouvez être là, vous respirez comme tout le monde, mais pour le Seigneur et pour la Bible, vous êtes morts parce que vous n'êtes pas en communion avec Jésus. Donc, quand il dit « nous, les vivants », il parle de ceux qui respirent encore et ceux qui sont en communion avec Jésus. C'est ceux-là qui sont concernés par ce que Paul dit. On en revient encore à la nouvelle naissance. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est mort spirituellement. Donc, on ne parle pas de lui. Alors, il dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alors, ensuite, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra. Et les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble avec les morts, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Donc, l'Église va disparaître et va aller retrouver le Seigneur dans les airs. Alors, je vais vous expliquer très clairement ce qu'il y a dans ce verset. L'archange sonne de la trompette. On a vu toutes les caractéristiques du retour de Jésus. On a vu que ça sera soudain, ça sera inattendu. Donc, ceux qui sont chrétiens, qui sont des vierges et qui sont sages, c'est-à-dire ceux qui sont des chrétiens qui sont prêts, eux entendront le son de cette trompette-là. Ceux qui ne sont pas prêts, ça sera transparent pour eux. Ils n'entendront pas ce son-là. Amen. C'est la première chose. Ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, prêts, entendront le son de la trompette et iront retrouver le Seigneur. Et ceux qui ne sont pas prêts n'entendront pas le son de la trompette. Les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont dans la tombe, et au moment pile poil de leur mort, ils étaient en communion avec le Seigneur, ceux-là vont se réveiller aussi et vont monter de la même manière que les vivants. C'est pour ça que je disais tantôt que le retour du Seigneur, l'enlèvement concerne à la fois les morts et les vivants. Donc, se préparer au retour du Seigneur et se préparer pour l'après-vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que ne dites pas que Jésus revient dans 1000 ans, donc je peux vivre comme je veux. Si tu meurs demain, ton état spirituel devient caduque parce qu'après la mort, on ne peut plus rien changer. Donc si tu étais prêt en mourant, amen. Quand la trompette sonne, tu te lèves de la mort et tu montes vers le Seigneur. Si tu n'étais pas prêt, tu restes dans la tombe. Pour la perdition future. Bon. Concrètement, ce qui se passe techniquement, ceux qui arrivent à comprendre ce que je vais dire, amen. Ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Parce que dans l'assemblée, je suppose que les niveaux spirituels sont différents. Donc il y a peut-être d'autres personnes qui veulent aller plus en profondeur. Donc je vais expliquer quelque chose pour eux. Vous pouvez toujours comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, ce qui se passe, au moment où nous naissons de nouveau. Amen. Amen. Le corps, l'être humain est composé de trois parties. L'enveloppe charnelle, le corps. L'âme,
à l'intérieur. C'est notre être intérieur conscient. C'est le siège de nos émotions, de nos pensées, de nos sentiments, de notre volonté. C'est ça qu'on appelle l'âme. L'esprit, maintenant, c'est la partie la plus intérieure de nous qui est en communion soit avec Dieu, si on est né de nouveau, soit avec le diable, si on n'est pas né de nouveau. Vous savez que le monde est dirigé par le diable. Donc, si on n'est pas converti, forcément, on appartient au royaume de Satan. Certains disent, non, moi, je n'ai pas de communion avec lui. Si tu n'es pas converti, tu appartiens à Satan. C'est ce que la Bible dit. Bon, donc. Alors, lorsque je nais de nouveau, c'est mon esprit, c'est la partie la plus profonde qui est pris du royaume des ténèbres de Satan et qui est ramené dans le royaume spirituel de Dieu. Mais tout ce qui est de l'âme, les sentiments, tout ça, ce n'est pas encore régénéré. Et toute la vie chrétienne, ce qu'on appelle la sanctification, c'est faire descendre, parce que mon esprit qui est totalement régénéré, est régénéré à l'image de Jésus, donc il est parfait. Et la sanctification consiste à faire descendre cette perfection-là au niveau de mon âme, au niveau de mes sentiments, au niveau de mes émotions. C'est ça la sanctification. Seulement, puisque l'âme n'est pas encore régénérée, c'est comme une copie de ma vieille nature qui reste encore en moi. C'est pour ça que, bien qu'étant converti, j'ai toujours, de temps en temps, l'envie de marcher comme avant. C'est la chair. Amen. La chair continue à habiter en nous. La chair, c'est une puissance de mort spirituelle qui continue à habiter en nous. Mais le chrétien a le pouvoir de maintenir la chair assujettie. Et c'est ça, c'est en ça que consiste la sanctification. Donc, au moment de l'enlèvement, pour ceux qui sont encore vivants, voilà ce qui va se passer. Le corps que j'ai restera comme il est, s'il est beau, d'après le Seigneur, je ne sais pas. La chair que nous avons encore en nous, c'est la chair qui nous rend corruptibles. Vous comprenez? C'est pour ça que nous devons encore mourir, parce que ce qui est corruptible doit mourir. C'est pour ça que le chrétien est encore mortel. Et au moment de l'enlèvement, ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va extirper de nous la chair et immédiatement on devient incorruptible. C'est ce qui va se passer au moment de l'enlèvement. Il va enlever spontanément la chair, parce que c'est à cause de la chair qu'on meurt. Donc si on enlève la chair, je ne peux plus pécher, parce que c'est la chair qui me conduit à pécher. Je ne peux plus mourir, parce que c'est à cause de la chair que je continue à commettre des péchés et que je suis mortel. Donc si on m'enlève la chair, c'est fini. Je ne suis plus mortel et j'ai le corps glorieux que Jésus avait au moment de sa résurrection. Techniquement, c'est ce qui va se passer au moment de l'enlèvement. C'est un peu difficile, je sais. Mais c'est simplement la chair qui va être enlevée pour ceux qui sont encore vivants. Et si je n'ai plus la chair, je peux monter à la rencontre du Seigneur sans problème. C'est ce qui se passera. Maintenant, pour ceux qui sont morts, la Bible nous dit que si tu as l'Esprit de Dieu, en mourant, tu restes en communion avec lui, puisque l'Esprit retourne au Père. Donc, ceux-là, s'ils avaient des malformations, des déformations, le Seigneur va retransformer ça. Quand il descend dans les airs, il descend avec l'esprit de ceux qui sont morts. Parce que quand tu meurs, si tu es chrétien, ton esprit monte dans le ciel. Et dans le livre de l'Apocalypse, pour y revenir, on voit même les esprits de ceux qui sont déjà morts dans le ciel. Vous avez déjà lu un passage qui dit, je vais vous l'afficher si vous voulez, ceux des martyrs qui disent dans l'Apocalypse, jusqu'à quand tu ne nous vengeras pas? Ce sont les esprits des martyrs qui sont là-bas. Donc l'esprit de ceux qui sont morts sont dans la présence de Dieu. Mais seulement, ils n'ont pas encore retrouvé leur corps. Donc au moment de l'enlèvement de l'église, le Seigneur descend avec les esprits de ceux-là et il les envoie vers la tombe ou partout où ils sont déchiquetés dans la mer, s'ils sont morts dans la mer, et ils reconstituent le corps. Et le corps peut monter dans la présence de Dieu. Je sais que cette partie-là est un peu compliquée. Je le dis pour ceux qui peuvent le comprendre. Amen. Donc, voilà techniquement ce qui va se passer au moment de l'enlèvement de l'église.
d'être resté jusqu'à cette heure-ci. Et sans plus tarder, nous allons nous séparer. Mais vous me permettrez de rappeler que l'orateur Alain Patrick Gandimoun a commencé par le premier point à nous préciser que le retour du Seigneur était une promesse. Et on l'a vu. Donc premièrement, nous avons vu avec lui les promesses du retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, il s'est appesanti sur les caractéristiques du retour du Seigneur. Et il a été dit que les caractéristiques du retour du Seigneur Jésus étaient la survenue ou le retour soudain et brusque au cœur de l'indifférence, au cœur de l'insouciance. Il a parlé également des soucis qui caractériseront cette période-là. Passons à une autre question. Revenez demain. Il y a beaucoup à dire. Ce n'était qu'une introduction. Et surtout, beaucoup à regarder en exclusivité. Un peu comme le vidéogramme que nous avons regardé tout à l'heure.